toutes et à tous, bonjour Marcus. Bonjour mon petit Julien, es-tu en forme aujourd'hui? Oh, une petite forme et toi? Une petite forme. Ouais, petite forme. Forme moyenne, mais on va dire grande forme pour te mettre la pression. Voilà, il met la pression, on voit le principe de l'émission. Tous les jours, un défi sur un jeu surprise. D'où mon idée de prendre l'ascendant psychologique sur mon adversaire dès le début, vous voyez? L'idée. Et vous avez vu que je le laisse, je me mets en position du challenger, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on va découvrir le jeu mystère, vous le voyez déjà sur votre écran, mais nous, on va le découvrir, donc, on va allumer la télé. Amateurs de beaux jeux, passez votre chemin, parce que souvent, comment on découvre le jeu, on n'est pas forcément au top. On ne peut pas être fort à tous les jeux. Attention, on allume la télé. 1, 2, 3, football. Oh non, pas foot, j'aime pas le foot. C'est quoi? Alors, il fait des trucs. Ah, il jongle en même temps, si c'est jonglerie football, moi pourquoi pas. Ah, c'est plus jongle. Ah, bah c'est FIFA Street. Jongleur Street, c'est-à-dire du foot dans la rue. C'est-à-dire du foot sans. Avec les règles en moins. D'accord, c'est une sorte de NBA Jam pour le foot. Exactement. On peut dire. Et bah voilà, tu l'as bien résumé. Vraiment très arcade. Alors, on va lancer le match. Qui est ce jeune homme qui ressemble à mon ami Monsieur Poulpe? C'est Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi, qui est l'attaquant de Barcelone, un Argentin aussi. D'accord. Dans l'équipe d'Argentine, qui est considéré comme le meilleur joueur du monde. Carrément, carrément. Ouais. Très bien. Coup d'envoi. Coup d'envoi, allez, vas-y, moi je. Coup d'envoi. Alors, tout ce qui est sport, foot, j'ai rien à faire. 5 contre 5. 5 contre 5, d'accord. Ah oui, c'est pas 11. Ah, ils sont que 5. Une équipe, c'est 11. D'accord. Ouais. Je me mets à droite, tu te mets à gauche. Allez, c'est parti. C'est ça. Tout le monde est là. Allez, c'est parti. Allez, on lance. On choisit son équipe. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La Ligue bavaroise, BBW. Les clubs, tu peux choisir. Ouais, je vais prendre le PSG. Ah non, c'est les équipes. Ah, mais tu prends toujours le PSG. Tu veux pas qu'on prenne des équipes exotiques comme la Bundesliga? Ça doit être un truc marocain. Non, la Bundesliga, c'est l'Allemagne. Ah bon? Eh bien, très bien. Tiens, je vais prendre des Allemands. Tu peux prendre les Allemands. Alors, une très bonne équipe en Allemagne, c'est Bayern de Munich. Sinon, tu as Borussia Dortmund. Bayern, ils sont bien. Ouais, ils sont bien. Allez, allons-y. Ancienne équipe de Lizarazu. Ça t'intéresse qu'ils. Ah bon? Vicente Lizarazu. J'espère qu'ils n'auront pas des maillots trop moches. On va voir. Ils contrôlent. L'Allemand s'habille mal quand même. L'Allemand adore les tongs avec les chaussettes blanches. Allez savoir pourquoi. Ils aiment ça. Je refuse de jouer en tongs. Hein. Je dis tout de suite, je déclare forfait. Allez, si on tombe sur une plage, on va jouer en tongs. Allez, le match. Alors, ça perd des deux plages. Je suis à droite. Je suis à droite. Moi, je suis à gauche. C'est moi qui engage. C'est toi qui engage. Alors, on est parti. Hop, une petite passe. Allez. Eh ben, j'ai failli marquer un but tout seul dès la première seconde. Ça commence très fort. Ok, là, c'est des règles un peu fantasques. Hein. Il n'y a pas de touche. Ah bon, on peut frapper l'adversaire un peu? Ouais, on peut tout faire. D'accord. Attention. C'est pas du catch. Oh là là. Oh là là. Oh, j'ai failli marquer. On vous rappelle, je suis en bleu, je joue le PSG. Oh, un dégagement monstre. Oh, il est par terre, il est à terre. Je vais le piétiner. Oh non, non, non. Tout est possible dans le jeu, parce qu'il n'y a pas de règles. Hein. Hop. Oh, un très beau but parmi. Et j'ai fait une passe directe qui n'a pas fonctionné. Alors, j'ai l'habitude de jouer à FIFA. Alors, c'est fait par les créateurs de FIFA, mais ça ressemble plus à FIFA. Boum. Ah non, pourquoi? Allez, on se. Oh, petit. Monsieur fait du style, on a le droit. Oh, j'ai raté. C'est du patinage artistique, c'est une grande importance. Et je peux pas l'attraper, le goal. Il m'empêche d'y aller. Alors, allez, on se sent tout de suite plus à l'aise, hein, parce qu'on avait fait quand même un petit match sur FIFA, c'était ça? Ouais, alors FIFA, c'est plus simulation, hein, là, c'est très arcade. Là, ça fait des dribbles. Oui, bah du coup, je me sens plus à l'aise. J'ai l'impression de mieux contrôler les choses. Oh, joli. J'ai fait un petit geste technique. Le fait qu'ils soient moins nombreux, ça me facilite mon cerveau. On revoit le ralenti quand même. Bah, moins nombreux et surtout, tu peux finir à 10-9 ou 10-20. Ah, d'accord, c'est des scores de baby-foot. Ah, c'est des scores de baby-foot. Okay. C'est un peu le baby-foot vidéo ludique là. Bah, c'est sympa, non, du coup, on peut jouer avec des gens comme moi. Ouais. Alors que autrement. Qui peut jouer, bah oui. Après, n'hésite pas à tirer. J'aimerais trouver la touche pour tirer. Allez, on va faire des dribbles. Allez. Ah d'accord, il n'y a même pas de sortie finalement. Ah si, il y a quand même. Ah, ils se tiennent les roubignoles pour le but. Oh, le poteau. Allez, sors-moi de ça de là, toi. Voilà. Ah, tu t'énerves. Hein. Ah oui, ça y est, je suis dans le jeu. Allez, mais je peux le frapper à terre, viens, je crois que je l'ai pris par la gorge. Allez, on accélère, on tire. Comment on tacle? Oh, Melino. Oui, mais non, ça suffit. Allez-vous-en, monsieur. Vous êtes sur ma partie du terrain. Ah, c'est marrant. C'est attention, 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 attention.
Faites la passe, voilà. On peut faire des passes quand même. On peut construire un peu. On va essayer de construire son jeu. Je viens de trouver comment changer de joueur. Donc on va tout de suite progresser d'un coup et peut-être même d'un but. Il faut aller sur lui. Hop, une très belle passe et c'est le but. T'aurais dû tirer. De mon ami invisible. Allez hop. J'aime bien les petits cris sur le terrain là. On sent que ça se bagarre. Ah mais il parle en français. On attaque. Motive son équipe. Très bien. Allez. Joue à droite. Hop. Le petit dribble. Oh là là. Il est beau. C'est une sorte de. Oh, regardez ce ralenti extraordinaire. Le petit geste technique, le tir, la lucarne. Non, c'est beau. Je suis rentré dans un ralenti. Oh là là. C'est beaucoup te faire beaucoup trop d'honneur. Anti-jeu, comme on dit chez moi. Anti-jeu, là. Allez, c'est parti. Donc, allez, 2-0, on rappelle, je suis le PSG face aux Allemands. Une deuxième petite passe. Alors, je veux pas être de mauvaise foi, mais normalement, les Allemands, ils sont plus forts que le PSG. Ah bon? Ouais. D'accord, ben, je t'expliquerai avec nos fans du PSG qui regardent Game One. Oh là là. Bon, Mathieu, il prend goût apparemment. Bah, au début, j'ai commencé en me disant, moi, je préfère mon FIFA 12 classique et tout. Et en fait, c'est très marrant. Donc, je me suis petit geste, regarde, il y a eu un petit dribble avant. Même si je prends 3-0, je trouve que c'est plus rigolo, effectivement. C'est marrant. Ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est un bon défi. Et tu sais quoi? Pour un défi, c'est un jeu où il y a des buts dans tous les sens. D'accord. Alors, je crois que c'est la mi-temps. Ah, on va changer de côté. Voilà, on va changer de côté. On vous rappelle, je joue le PSG face au Bayern de Munich. Et t'as vu, ils ont leur survette quand on regarde dans le jeu. Et si on change de côté, nous aussi? On change de côté. On est des dingues? Allez, viens, vas-y, on le fait. Ah bon, tant pis pour le réalisateur, Pierre Boulay. Ça se trouve, il va râler, on ne sait pas. Il va pas aimer ça, Pierre Boulay. Mais nous, on l'aime bien. Voilà, comme ça, on est du bon côté. Ah, je suis perturbé. Ah, t'as vu ça? Là, il y a mon côté, normalement. Et un but. Attention, action de Marcus. Le Paris Saint-Germain avec grosse attaque, Pastore, le meilleur joueur du club. Le petit dribble. Attention, regardez, ça repart. Aïe, attention. Ça t'a troublé, hein? Ah, ça m'a troublé. Ah, on sent perturbé. Non, c'est pour ça que j'essaye de mettre la pression dans les commentaires, tu remarqueras. Attention, petit dribble. Oh non, tu me l'as arraché. Ah, bah tu me l'as donné, non? Non, j'ai cru, mais. Alors, on va essayer de faire des phases de jeu avec des petites passes, attention. On va retourner le ballon. Hop. Oh, dis donc. Mais on dirait presque que tu sais ce que en tu fait, fais. Ouais, non, presque. En fait, mais juste une direction avec la fameuse gâchette L1. Ah, ouais? À R1, t'arrives à mettre des dribbles. Et tu mets une petite direction, ça fait un petit truc. Regarde, tu vois. Vas-y, essaye. Alors, attends. Déjà que j'ai la balle, mais bon, c'est pas grave. Petite passe, tire. T'inquiète pas pour moi. Oh, très belle sortie du gardien. Il y a des fautes là, il y a des fautes. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fautes dans ce jeu, non? Il n'y en a pas beaucoup. Je t'ai fait des tacles au niveau du visage, quand même, moi, tout à l'heure, et il n'a rien dit. Allez, vas-y. Alors, ouais, tu peux tirer dans le mur, par exemple, attendre que la balle revienne, et après. Oh, c'est fait, une très belle passe. Attention. Petite passe, tac, tire. Oh, joli. Monsieur Teluc. Bon, là, on va le dire franchement, c'est un jeu qui me correspond bien. Voilà. Un mec qui gagne, toi, ça. Non, c'est un jeu qui me correspond bien. Un jeu pour les winners, c'est ça, trop. Mais je tiens à préciser que, voilà, ça m'est déjà arrivé avec un stagiaire, notamment, qui s'appelle Xavier, de faire un match comme ça à l'improviste, et il m'avait battu. Ah, donc tu n'es pas une forteresse imprenable. Non, pas du tout. C'est pour dire vraiment que là, par exemple, dans ce match, j'ai vraiment de la chance. Non, t'as la chance d'avoir un adversaire qui... Attention. Ne connaît rien au foot, qui n'aime pas le foot. Attendez, petit dribble. Et qui a des gros doigts. C'est Verdun. Je peux la mettre. Ah, mais non, pas du tout. Ah, quoi que si, peut-être. Ah non. Ah ouais, vous avez vu, quand je joue, en général, je crie beaucoup, hein, quand il y a des... C'est bien, ça met l'ambiance. On va dire ça aux voisins. C'est vrai. Excusez-moi, monsieur Teluc, hier... Hier, il y a eu des meufs chez vous. Alors, je dirais pas le nom de la voisine, hein, mais... Non, on était avec des copains, on jouait au jeu. Vous savez, on jouait au foot. Dans l'appartement. Les matchs de foot, il faut baisser le son, monsieur Teluc. Non, c'était pas le match. Le son, c'est nous. C'était la console. Oh, j'ai fait. Attendez, on repart l'attaque. Le Paris Saint-Germain tout seul. Le Paris Saint-Germain, la petite passe, le tir. Ah non. Oh là là, un tir dans le ventre de mon gardien. Heureusement qu'il n'y a pas d'arbitre dans cette histoire. Attention. Non, voilà. On a maîtrisé le match. Gros tir. Oh la vite. Alors on rappelle, pour l'instant, le Paris Saint-Germain mène 4-0. 4-0, et à mon avis. Avec des règles un peu fantasques, il faut l'avouer.
Allez, on va sortir le gardien tout seul. Ah zut. Ah oui. Ah non. C'est la chance de ma vie. Oui. Il a marqué. Est-ce qu'on peut voir le ralenti? Je crois que j'ai mis un coup de pompe au gardien et je suis rentré moi-même dans le but. J'ai aussi dit tiens, je vais sortir le gardien pour aller à l'attaque c'est tout seul. C'est totalement illégal, regarde et... ça. On lui a piqué la balle. Ah non. Ah j'aime beaucoup ça. On va appeler ça le but de la honte. C'est le but de la honte. On le revoit une dernière fois. Il a poussé le gardien. C'est honteux de faire ça. Bon, je l'ai un peu cherché. Ah, mais c'est bien. Bon, bah voilà. Allez. Je sens qu'avec un peu de persévérance, peut-être j'arriverai à quelque chose qui n'est absolument pas le cas. Attention, hein, tout est possible dans ce match. Mais non, car voilà déjà la fin. C'est la fin. Donc ça se terminera sur le but de la honte, hein, j'en ai peur. Victoire 4-1, mais on peut relancer un match, on relance une petite revanche. Un petit match, allez, pour finir l'émission, pour de toute façon il nous reste encore un peu de temps. Quelques sinon, minutes on peut, peut-être. On peut parler de nos voisins, on peut le faire aussi. C'est non, vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Attends, on revoit peut-être le plus beau match, les plus beaux les moments. Les plus beaux buts. Bien, il faut qu'on reprenne nos places. Alors on reprend nos places. Voilà, ils sont petits bras dans cette émission, ils ne supportent pas le changement. Alors voilà, on prend le petit verre, tranquille, on est... À la maison, à la cool, alors on regarde les buts. Bon, alors il reste combien de minutes à peu près ? Il était pas génial ce but. 2 minutes, on a le temps de se refaire une petite partie. Allez, on le relance. Allez, vas-y, on fait la revanche, on fait rematch. On recommence le match. C'est parti. Ouais, comme ça. Oui, recommençons. Comme ça, ça va vite. Je vais essayer de remettre. Je préfère ma place, je tiens à le préciser. Je me sens mieux ici. Allez, on lance le match. Allez, hop. Mais il est sympa ce petit jeu. Alors forcément, rigolo. Je gagne. Hein. Si je perdais, j'aurais dit oh, c'est quoi ce c'est pas terrible, c'est vraiment pas. C'est pas professionnel, c'est machin. Un jeu pour que je perde, j'aurais engueulé l'équipe technique, notre réalisateur Pierre Boulet. Et après, on m'aurait dit mais non, t'es mauvais joueur, comme d'hab. Enfin, oh des excuses, tout le temps. Oh là 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 là, mais ça va pas, tu me passes la balle directement, Marcus. Mais je vois qu'il. Mais pourquoi t'as fait ça Je sais pas, je crois qu'il te visait avec la balle, oui. Il voulait te décapiter. Mais non, mais c'est toi, le gardien. Non, je sais, mais il lançait la balle tellement fort qu'on sentait que c'était allez. Fait avec beaucoup de méchanceté. Oh. Oh, dans le dos, tu vois, tu me frappes dans le dos, toi. Moi, au moins, je vise le visage, je fais pas ça en traître. Allez, petit dribble. Hop. Allez. Ah, t'es bien en peine, là, dans ton petit coin. Oh, bien joué. J'aime bien les arrêts, ils sont beaux. Oh, une très belle passe. Attendez, hop. Une très belle feinte. Oh, vite. Oh, moi, c'est quand le gardien est à terre que je me réveille. Les cages étaient vides, hein, t'aurais pu marquer. C'est juste. Alors, j'ai envoyé direct au gardien. En fait. C'est ma stratégie, c'est... Oh, bah ça, c'est un beau tir, ça. Le but de la honte. Le but de la honte de le retour. Attention. Allez, hop. En fait... Et bon, on va finir avec magnifique but. Je crois que j'aurai pas le temps de vider les buts. C'est la loterie, Marcus. De temps en temps, on tombe sur des jeux où on sent un peu plus à l'aise. C'est vrai. Et je n'étais point en veine aujourd'hui, mon petit Julien. Mais je me rattraperai dès la prochaine émission. Soyez là pour le voir. Rendez-vous dans la prochaine émission pour les défis Marcus versus Juju. À bientôt. On sera là. Soyez là aussi.